Salut à tous et merci d'être avec nous 01 net TV. Chaque jeudi soir, c'est le 01 live Hebdo et en ce 2 novembre 2017, nous sommes ravis de vous retrouver Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Il sort demain dans les magasins, <laughs> enfin presque. Et il est déjà sur le plateau de 01 net TV, il est passé entre les mains expertes de nos testeurs l'iPhone 10. Et dans ce Zéro à live, eh bien, Pierre Fontaine, dans un instant, va nous rejoindre pour euh, nous faire ses premiers comptes rendus de test. Et oui, puisqu'il est là, à côté de nous, tu te rends compte, Jérôme, il est à, allez, on va dire, 50 cm de moi. <laughs> Qu'est-ce qu'on Cet ému. iPhone 10. Euh, il sort demain, mais vous le savez, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pourquoi l'iPhone X sera disponible uniquement pour ceux qui l'ont précommandé Noémie Lefebvre-Maharek va tout nous expliquer dans notre Zoom Actu tout à l'heure. Voilà, on va parler donc de l'iPhone 10, mais pas seulement. Juste avant cela, dans 01 Live ce soir, vous allez découvrir comment dézinguer quelques zombies en s'amusant. C'est une expérience high-tech que nous avons menée pour vous, une expérience assez étonnante. On va vous raconter ça. Et puis côté labo, euh, un portable chinois prometteur. C'est un nouveau Xiaomi. Alors vous savez que Xiaomi, on les connaît surtout pour les téléphone portable, il faut des trottinettes et les téléphones portables, mais il faut aussi des PC. Finalement, ils sont dans tous les domaines. On verra ça tout à l'heure. Et puis un autre PC portable spécial gaming, ce sera tout à l'heure avec Emric Siméon. Et puis on vous montrera, montrera aussi un nouveau produit très attendu. Il s'agit de la nouvelle console de Microsoft, la Xbox One X, qui vient d'arriver aussi au labo 01net. Si vous êtes sage, restez avec nous. C'est parti, 01live. Et Jérôme, bien sûr, avant de commencer ce zéro à la Bible d'eau qui va être riche en rebondissements, notre question 0 à net orange. Si on se faisait une petite question sur l'iPhone 10. Tu sais quoi, ça fait un moment. Hein Je pense que là, il faudrait quand même la balancer, cette question. Êtes-vous prêt à mettre jusqu'à 1329 euros pour euh, vous offrir un iPhone X C'est la question 0 net orange du jour. Alors euh, allez donc sur www.01nettv.com. Pour répondre à cette question, pour nous donner votre avis, oui, rien ne m'arrêtera, ou bien j'attends de voir s'il est aussi bien que ça, ou encore euh, hors de question, il ne passera pas par moi l'iPhone 10. On pourrait rajouter en quatrième position, je vais manger que des pâtes pendant six mois. Mais bon, ça c'est. <laughs> oui. hein, le, coro le corollaire de la question, de la réponse une. Ça. Exactement. On vous attend 0 tv.com pour voter à notre question. Zéro Net Orange, mais pour débuter et avant de vous faire découvrir l'iPhone 10, les amis, avec Pierre Fontaine qui l'a là, euh, eh bien, euh, on va vous raconter une histoire qu'on a vécue cette semaine avec Jérôme. Nous avons fait avec Jérôme un escape game. Alors, on va pas tout vous dire ce soir, mais on va, vous, non. On va essayer de vous donner envie. Parce qu'un reportage est, 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 va bientôt arriver voilà. sur Zeronet TV. Il est en préparation et effectivement, on est allé faire un escape game. Alors, peut-être qu'il faudrait dire en deux mots ce que c'est qu'un escape game parce que tout le monde ne sait pas. Hein? Ben, écoute, c'est un jeu dans lequel un jeu qui, qui, euh, qui se retrouve dans un... un tu vas dans jeu, une sorte de jeu de rôle, en fait. Voilà, tu vas dans un vrai local qui, en général, est décoré, qui fait un peu peur ou alors qui, est dans, qui a une ambiance un peu fantastique. Et là, tu dois résoudre des énigmes. Tu joues à plusieurs. Hein, c'est par équipe. C'est très sympa. En général, tu as un temps aussi euh, maximal pour euh, résoudre certaines énigmes. Voilà. Et là, la particularité, c'est qu'en plus de, du côté euh, je me déplace dans le décor, Et eh bien, il y a un côté réalité virtuelle que vous apercevez ici. C'est vraiment la partie de ce jeu qui s'appelle Mutation. Oui, et qui est euh, fait en collaboration avec Geekopolis, pour être précis. Voilà. Et euh, alors, on l'a fait, on va tout vous dire dans le petit reportage que Thomas est en train de monter qui sera bientôt sur Zérona TV, mais il se trouve que nous avons rencontré Cyril Villalonga, qui est l'organisateur en fait, de cet escape game qui s'appelle Mutation. Il a eu l'idée même de ce projet. Hein. Exactement. Et euh, vous allez voir, il y a plein de, enfin, plein de thèmes abordés dans, ce, dans cet escape game. Mais il y en a un qui nous a plu, c'est la high-tech. Et justement, Siri nous, nous explique l'aspect high-tech de Mutation, ce nouvel Escape Game à Paris. On est vraiment à l'utilisation de technologies, donc évidemment certaines évidentes, dans le cadre de la VR, c'était déjà résoudre ces problèmes de fil. Aujourd'hui, euh, il y a différentes technologies qui sont en train d'arriver pour pouvoir s'en passer, mais là du coup, on a utilisé des backpacks qui permettent de pouvoir, avec l'ordinateur dans le dos, ne plus avoir un seul fil et donc plus de contraintes d'espace et de déplacement, puisqu'on va pouvoir se déplacer dans une zone, on se retrouve avec des bracelets de capture émotionnelle qui ont une importance dans la réalité virtuelle. C'est des bracelets qui permettent d'évaluer votre peur et qui donc du coup vont avoir une incidence sur la réalité virtuelle. Vous aurez plus de montres. En gros, plus vous avez peur. Plus vous aurez peur. On se retrouve avec euh, évidemment des armes qu'on a fait imprimer en 3D, qui ont été conceptualisées par des artistes, euh, parce qu'évidemment elles ont un look un petit peu spécifique. Je vous ai parlé des tablettes dans lesquelles aujourd'hui on travaille sur différentes technologies, on est en train de travailler sur la réalité augmentée, euh, on cherche vraiment à diversifier. Et, évidemment, le côté sans contact, il si se trouve qu'il y a des objets, et là aussi on ne précisera pas lesquels, qui permettent, lorsqu'ils sont posés à un endroit spécifique, avec un système de puce RFID, d'ouvrir des portes secrètes, par exemple. Ça fait rêver hein, quand même. C'est pas mal du tout. C'est jusqu'au 5 novembre donc à Saint-Denis. Euh, on va vous donner toutes les adresses bien sûr qui seront sur le site web de zeronet.com. C'est 60 euros l'entrée quand même. Hein c'est pas donné. Hein, ouais, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est vraiment la, la, la démarche et puis euh, ça permet de découvrir un, un nouveau type d'attraction qui mélange vraiment le réel et le virtuel avec, euh, ouais. vous l'avez vu, un concentré de, de techno qui sont utilisés pour ça. Et puis on a une très belle combinaison que vous verrez dans le reportage qui vous fera bien rigoler. On était déguisés en plus. C'était très drôle. Ouais. Voilà, on ne vous en dit pas plus. Ouais. Restez euh, connectés à 01 net TV pour ne pas rater cette vidéo qui va arriver très prochainement. Hashtag 01Live, vous le savez, nous sommes en direct, vous pouvez réagir avec nous. Vous pouvez aussi réagir sur la page YouTube de 01Net TV, euh, où ce live est diffusé. D'ailleurs, on vous salue euh, si vous nous regardez par le biais de YouTube. Et on accueille maintenant Pierre Fontaine, Mister iPhone 10. Tadadam. Bonjour Pierre on pourrait même <laughs> presque rajouter cette musique de James Bond. Ouais. Sur Zéro la TV, on fait les jingles nous-mêmes. Oui. François Sorel de avec sa bouche. On fera avec. Euh, voilà. Pierre Fontaine, qui est un peu trop bronzé pour, pour tester des iPhones, on ne va pas vous dire qu'il était parti en Espagne en vacances, on ne va pas vous le dire, mais il est revenu quand même, car ça y est, il est arrivé ici, Jérôme. Nous avons dans ce studio depuis quelques jours, quelques heures. Quelque, depuis le début de semaine. Oui. Depuis le début de semaine, le nouvel iPhone 10, Pierre. Il est là, alors, Regardez, il, est alors, il est là. Regardez, il l'a en main. Je l'ai en main complètement en main. Allez zoom zoom oh my my ta, 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 les le petit avec son zoom de écran de bord à bord. Et, et sa petite téléphone à... portable et sa petite encoche en haut et, et son petit verrou qui se déverrouille quand je mets mon visage devant, etc. Est etc. Est tout est muginette. Hein ah oui, oh. purée, je suis voilà. complètement mais à Alors wow. bon, Pierre, ça y est, on l'a en main. Alors, c'est incroyable parce qu'on a l'impression que les, toutes les, les premières critiques sont, sont dithyrambiques sur ce téléphone. Euh, bah, c'est vrai que c'est un, un bon smartphone. <laughs> c'est un très bon smartphone euh, qui n'est pas euh, exempt de défaut, bien sûr. Bien euh, sûr. Le, on parlait de la petite enclave. Je parlais de la petite enclave en haut de l'écran. Ouais, effectivement, euh, c'est oui, la, la pas faute esthétique, c'est pas très, esth... c'est pas très esthétique, mais en même temps, euh, ils ont réussi. Enfin, Apple a réussi à mettre dans ce petit bout de de, de, bout de noir, on va dire, ouais. euh, ce que euh, Microsoft avait mis dans ses gros Kinect avant. Donc. Ils ont quand même réussi à bien downsier, à bien miniaturiser ouais. la chose, c'est quand même pas mal. Mais a... rigolo, finalement, c'est le premier écran avec des, des bords qui remontent sur les côtés. Hein. Euh, je crois que ça on en avoir déjà vu. Alors ouais. je ne me souviens plus chez quel fabricant, mais même ça on en avoir déjà vu. Ouais. Euh, et puis il y a par exemple aussi autres petits souci, vu qu'on on a un petit changement de ratio d'écran. Euh, quand les applications ne sont pas optimisées, bah, on a des bandeaux. Alors quand c'est des bandeaux noirs, on fait avec. Euh, quand c'est des bandeaux, vous savez, comme quand on, on filme euh, Sacrilège en, en portrait plutôt qu'en paysage avec son mmh, téléphone mmh. et qu'on a espèce de, de, de bandes transparentes ouais. qui font comme si elles étendaient l'image mais en flou bon, on a ça dans une application c'est moins sexy mmh. donc, évidemment ça va ré, ça va se régler quand les applications seront mises à jour etc mais il y a encore ces, des petits défauts de jeunesse on va dire ou des petits défauts tout court. Euh, voilà donc c'est pas un téléphone parfait euh, mais par ailleurs l'écran est euh, de 5,8 pouces OLED est vraiment bluffant Ouais, c'est vraiment un effet waouh l'écran il, il est bluffant alors tout le monde dira ouais il est bluffant mais euh, le Galaxy S8 aussi il est bluffant c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai, mais néanmoins, il y a une chose où... Euh Apple profite, on va dire, d'une certaine manière de son retard, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à l'iPhone 8 et 8 Plus, il nous confiait du, des, des écrans LCD. Donc il a beaucoup, beaucoup travaillé pour essayer de cacher, pas, j'allais dire la misère, c'est méchant, mais mmh. de cacher la différence de technologie. Euh, il a par exemple introduit la technologie P3 qui permet une colorimétrie assez dingue, ultra précise, un, un gamut de couleurs, c'est-à-dire une gamme de couleurs très vaste. Et euh, en fait, il a adapté ces technologies à l'écran OLED, ce qui fait que on a avec euh, l'iPhone 10 un des écrans les plus fidèles, euh, un des écrans OLED les plus fidèles qu'on ait jamais vu en termes de rendu de couleur. Juste ouais, ouais. Et que les Samsung très que très très loin devant euh, le, le S8 par exemple. Ah ouais. Donc effectivement, mmh. on a le contrat. Ouais, c'est l'avantage d'arriver après les autres. Bah, c est, c est, c est, oui, c'est l'avantage d'arriver ce après amusant, les, les autres, mais c'est aussi, oui, aussi le, le, le travail qu'Apple mmh. euh, qu a fait, euh, d'ailleurs, a commencé à faire sur ses iMac, ensuite sur ses ouais. iPad, et finalement, on le trouve là maintenant. Ce qui est amusant, c'est que cet écran OLED est fabriqué par Samsung, mais on voit qu'Apple ne se contente pas d'écran Samsung. Apple exige de la part de son fournisseur Samsung un écran OLED avec une, des avec spécificités des, techniques, voilà, des calibrations, qu a, qu a, qu a, etc. Que Samsung ouais. n'a pas forcément. Il y a du software, bien sûr, bien sûr qu'il y a du. Faire Apple, mais même, on sait bien qu'Apple n'a pas d'usine, mais il suffit de voir les relations qu'il a avec tous ses prestataires, tous ses fournisseurs, de voir comment maintenant il conçoit ses propres puces, pour savoir que Apple n'est pas juste un gentil monsieur qui fait l'optimisation logicielle il y a aussi tout un travail et de, historiquement, c'est le cas depuis très longtemps, mais de plus en plus sur le hardware, euh, Apple est un des plus gros concepteurs de puces au monde désormais. Ouais. Hum. C'est ça qui est dingue. Alors, Pierre, il est en cours de test au labo. Hein, ouais. le, tout à fait. L'iPhone 10 d'ailleurs, pour la petite histoire, on l'a sorti de son banc de test ouais. <laughs> voilà. sous et les je... yeux horrifiés de Lionel voilà. qui supervise. Et, et, ça et là, on, et... on va réteindre tout de suite. Attention, bouton, tu vas te faire gronder quoi. par Lionel. Ah ouais, Lionel va venir et mettre un look. Lionel, c'est le chef des tests comme de, ça. Et a priori, en matière D'autonomie serait pas mauvais. Hein. Alors pour l'instant, on n'a euh, qu'un résultat d'autonomie qui est le résultat d'autonomie polyvalente, c'est-à-dire celui qui simule des usages quotidiens de manière un peu intensive. Et effectivement, on a un sacré bond en avant euh, par rapport, euh, même par rapport à l'iPhone 8, 8 Plus. Euh, L'iPhone 8 Plus, de mémoire, il était à 9h07, si je me souviens mmh. bien, ce qui était bien pour un iPhone ouais. mais pas terrible pour, pour mmh. un smartphone et là on est à 11h17 donc on a on a un bond de plus de deux heures euh, qui semble ah donc ouais, euh, pas euh, voilà et alors Apple annonçait deux heures de plus mais par rapport à l'iPhone 7 là euh, il semblerait que en tout cas sur le modèle qu'on a avec les tests qu'on a réalisés mmh. euh, ces, ces deux heures ne soient pas effectivement volées pas mal voilà. alors, alors, euh... on reste encore loin des, des, des meilleurs smartphones Android dans la matière mais c'est un beau progrès d'accord bon le Face ID Face, Alors, ID. Alors, un ça, peu de bah Face ID, c'est un petit peu, euh, on a mis un écran bord à bord, on n'a plus de place pour le touch ID, euh, et on veut passer à une technologie plus sûre, plus innovante, plus différente. Euh, donc c'est effectivement euh, une technologie biométrique de, de reconnaissance euh, faciale. Euh, donc on abandonne le doigt pour le visage, qui est donné pour être beaucoup plus euh, difficile à tromper. Parce qu'il euh, y a une chance sur un million de tomber sur un faux positif. Oui. C'est-à-dire qu'une personne capable de Sauf déloquer si on a le téléphone. Un frère ou, un frère ou une sœur voilà. ou jumelle. Hein. Bah, effectivement, <laughs> parce que euh, vu que en fait, euh, ce que fait Face ID, c'est à, à l'aide euh, de lumière infrarouge, de points, il va dresser une carte en 3D de notre visage. Euh, va prendre en compte l'écartement des yeux, la forme de la bouche, etc. 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 et va euh, créer un modèle mathématique de, du visage, le stocker de manière sécurisée dans la sécurité en classe et cap, ça, c est c est une très partie rapide du processeur. Le, 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 la, la configuration euh, du, de, de Face ID est beaucoup, beaucoup plus rapide que celle de Touch ID. D'accord. On tourne la tête comme ça face à la caméra deux fois, c'est fait. Hop, fait. Euh, bon. Donc c'est vraiment très rapide. Et ensuite, alors. Moi en tout cas sur ce modèle là, je n'ai pas eu de problème d'identification, mmh. euh, en tout cas à visage découvert, mais effectivement quand on s'amuse à essayer de compliquer la tâche à Face ID, on arrive à, à un moment où ça ne marche plus. Quoi, Par exemple quand on quand met, on met une écharpe, soleil, on il met... commence à faire froid maintenant. Ouais. On met une écharpe, si on couvre la bouche, ça ne fonctionne, ah, fonctionne plus. Si on est en dessous du, au niveau du menton, ça marche. Si, alors normalement, avec des lunettes, ça fonctionne, sauf les lunettes euh, qui filtrent les infrarouges. Parce que, comme je le disais, il y a une caméra infrarouge enfin, qui émet des lumières, euh, une lumière, il y a un projecteur infrarouge <laughs> et une caméra infrarouge, et qui a besoin de pouvoir avoir un retour de la zone autour des yeux Bien pour sûr. que ça fonctionne. Et donc, dès que des verres filtrent et euh, empêche à l'infrarouge de passer donc de revenir, forcément elle fait dit fait Ah, là je m'arrête, ça ne marche plus. Euh, donc, donc voilà, il euh, y, y a des limites. Euh, effectivement en hiver ça sera peut-être un peu problématique quand on sera bien emmitouflé, avec l'écharpe bien remontée, le bonnet bien enfoncé, ouais, éventuellement alors... au ski, les masques Après, de ski. avec le Touch ID, avec il, le le Touch ID de il, digitale il suffisait, hein. suffisait d'enlever son gant. Ouais, il suffisait de, voilà. ou c'était quand même malgré tout une contrainte. Mais, hein. mais c'était Mais effectivement, il euh, y a en revanche une chose qui est, qui est vraie, euh, c'est que Face ID, on a, on a fait différents essais et on a fait un essai tout bête, c'est-à-dire de écran éteint à écran totalement déverrouillé, Face ID est quand même beaucoup plus lent que Touch ID et quand je dis beaucoup plus lent c'est que dans le, le pire des cas c'est jusqu'à presque deux fois plus lent. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est, euh, est en dessous de la seconde, on est à ouais, 90 centièmes de seconde pour Touch ID et donc quasiment deux fois plus pour Face ID. Ah oui, quand même. Voilà. Sur YouTube, si on y maquillait pour Halloween, ça fonctionne ou pas <laughs> euh, Alors si ça ne change pas la forme du visage, ce genre de choses, bah, etc. Même si pas oui. pour Halloween. En revanche, si vous avez un masque qui n'est pas vous, ouais. non. Non, mais un maquillage de, de femme, ça ne pose pas de problème Un non, maquillage de, de femme, bah, bah, alors je, je, je connais certaines Sauf femmes qui se si maquillent vraiment camion, beaucoup. Oui, mais, mais, voilà. bon. mais non, a, a priori, non. Tant que ça ne ouais, change ouais, pas ouais. la forme du visage, tant que ça change... Enfin, non. Voilà. Okay. Ben après, on, a, on va peut-être atteindre des, des stades de, de maquillage trop poussé et ça rendra, il <laughs> rendra, rendra les armes peut-être. Mais en tout cas, euh, avec bon, moi je suis pas maquillé, hein, je suis... Voilà, Maquillez-vous ça, ça raisonnablement. Voilà. Hein. Bon, et puis en plus tu n'as pas un frère jumeau, donc on peut pas savoir si... Euh... Euh, seulement Il est démoniaque seulement, mais il, il reste... <laughs> il, il, est, il, est, il est masqué, il voilà. est pas là ce soir. Il n'est hein. pas là ce soir. Puisque rappelons qu'il est un peu violent, ton frère jumeau. Exactement. Mais alors juste une petite précision, il y a eu des, il y a eu des, des, des tests qui ont été faits sur les médias américains avec des jumeaux ouais, ouais. et avec des vrais jumeaux. Pour certains, ça marchait. Et, ça, et enfin, ça, 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 marchait système, ça trompait le système. Ça le système. Mais ce, ce que qui est normal il n parce qu'il que y, y a pas. En fait, il y a une, y a une, une forme d'intelligence parce qu'effectivement, Face ID, par exemple, on a une barbe, on va se la raser, hmm. il va dire j'ai un, un pourcentage de certitude que c'est vous oui. qui est pas suffisamment élevé, donc je vais vous demander de rentrer votre mot de passe, votre code. Une fois que j'aurai rentré votre mot de passe, ok, c'est bien vous, donc je prends en compte ces modifications, j'apprends que, par exemple, vous avez rasé la barbe. Okay. Et après, en on n'aura des... plus besoin de re-rentrer le mot de passe. Euh, après, 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 a priori, oui, oui sauf si ouais. vous laissez repousser la barbe très vite. Je... Bon, voilà. okay. en théorie, c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Mais des jumeaux euh, qui sont des vrais jumeaux qui se ressemblent énormément, ouais. c'est la Mais même personne. En fait, c'est rigolo parce que c'est exactement euh, comme dans la vie réelle. Euh, des vrais jumeaux oui. on les confond oui. avec ou sans barbe on peut ne pas reconnaître quelqu'un qui s'est laissé pousser la barbe oui, voilà. euh, etc voilà. bon euh, on a encore plein de nous... choses à dire hein, ouais. sur, euh, sur l'iPhone 10 ah non on a, on a The Vache Kairi yes. euh, sur youtube qui nous dit euh, mais c'est trop bête tu peux déverrouiller avec une photo de toi non, non, non ça non, marche non, pas non, c'est ça qui est intéressant c'est que alors, on, évidemment on l'a essayé est-ce qu'on fait pas vraiment enfin pas totalement confiance à Apple quand il nous dit des choses donc on l'a essayé pour ça, ça marche voit pas qu'on a d'énormes posters de toi en ce moment dans le labo tout à fait c'est pas as pas une les, un les, coup les, de... les posters nus c'est pas c'était pas pour ça ah oui voilà mais euh, non mais euh, plus, plus sérieusement plus sérieusement euh, comme je disais euh, le, le Face ID va faire une euh, dresser un portrait numérique en 3D du visage voilà. donc pour l'instant euh... on est une photo c'est de la 2D et Apple a travaillé avec des experts des masques hollywoodiens euh, pour que le, même des masques 3D euh, ne, ne passent pas. D'accord. Bon, voilà. bon, on va Merci le, li, te laisser repartir avec cet iPhone 10. Ma vie se rebrancher pour repart poursuivre dans la batterie le test. test. Précisons que ça Merci ne perturbe Pierre. pas le test. Hein C'est fait sous contrôle, sous non contrôle pas d'huissier, mais d'ingénieur. <laughs> et ça ne perturbe pas le test. Euh, L'iPhone 10, il n'y en aura pas pour tout le monde. On vous dit ça tout de suite avec Noémie. Oui. Mais juste avant, un petit tour du côté de la question 0Net Orange. Allez, on y va. Question 0Net Orange, où on vous demande ceci. Soyez-vous prêt à mettre jusqu'à 1329 euros pour l'iPhone 10 54% hors, hors de question. question. Bah, c'est un peu une réaction normale malgré tout. Alors oui, rien ne m'arrêtera quand même. On est à 29%. Ouais. Et il y a 18% d'hésitants. Voilà, euh, hmm. si c'est aussi bien que ça. Donc malgré tout, si on fait 29 plus 18... On est pratiquement. Ah, à... Aimes une... bien te faire les. les, les bah, ouais les, parce que je. Bon, les... Enfin il y a, y a, y en a enfin, malgré tout 54% ouais, qui ne ouais. sont pas prêts d'investir autant. Hein. Bon voilà. Bah, euh, continuez à voter. N'hésitez pas. Question 0 net Orange qui vous attend sur 01nettv.com 18h19 c'est l'heure de notre zoom. Tu maintenant. Jérôme, Mais tu sais que maintenant, ça y est, là, dès que la Se caméra... Est par là, le retour plateau. Là. Eh oui, 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 c'est ah ça. Bon, écoutez, il débute un petit peu dans le métier, on ne va pas ouais. en vouloir. Hein. Bon, on accueille Noémie Lefebvre-Marek. Bonsoir, Noémie Lefebvre-Marek. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Noémie. Sorel. On est ravis de vous retrouver à nouveau et sur le plateau aussi. de 01net et de 01live hebdo. Noémie, question ce soir dans Zoom Actu. Alors, est-ce qu'il sera possible, oui ou non D'acheter, de trouver dans les magasins demain en France un iPhone 10. Alors messieurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah. Je vais commencer par la bonne. Demain, il n'y a pas besoin de faire la queue devant les Apple Store de France. Ah ça c'est bien. Et ça c'est plutôt chouette, pas besoin de planter sa tente ce soir, pas besoin de préparer sa doudoune et son sandwich. Ça commence à faire un peu froid. Donc. Et mais oui, c'est pour ça ah, que je vous en parle. Tu peux replier ton, ton sac de couchage ce oui, C'est ça. Mon petit barbecue. La bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle plutôt, c'est qu'en fait, il n'y aura pas d'iPhone 10 dans les magasins. Apple oh demain. Pas du tout. Alors, presque pas, en fait, parce que euh, ils seront, euh, les, les iPhone 10 seront disponibles pour ceux qui ont eu la bonne idée de faire leur précommande vendredi 27 octobre dernier. Mais il fallait quand même être dans les premiers, puisque après euh, une heure de précommande, il n'y avait déjà plus d'appareils disponibles. Euh, donc, c'est voilà, allé très, très vite. Euh, la réalité, en fait, c'est que Apple Store, enfin, les Apple Store, on, on, on leur a demandé, dans le, plan du, du, dans le cadre du plan Vigipirate, de ne pas créer date d'attroupement de devant oui. les magasins. Donc en fait, c'est pour des raisons de sécurité, euh, pas la possibilité de créer de d'attroupement. Donc ça veut dire on ne vend pas l'iPhone oui. 10 euh, pas à ceux qui viennent dans les magasins pour l'acheter sans l'avoir précommandé. C'est étonnant ça quand même. Hein. C'est-à-dire que Apple en que théorie devrait en avoir en stock, ouais. mais on ne pourra pas l'acheter demain parce que voilà, si on ne l'a pas précommandé, on ne peut pas en avoir. Exactement. C'est quand, quand, quand même fou. Ouais, Alors même c'est qu'en France et en Belgique en plus. Hein. Oui, ouais. Et que en France et en Belgique. Mmh. Par exemple aux US, tu peux aller faire la queue sans aucun problème. En, en Grande-Bretagne, dans d'autres pays européens, en Allemagne, etc. Euh... Malgré tout, il n'y en a pas des millions et des millions hein, de, de cet iPhone 10. Comment ça se fait D'où viennent ces problèmes de stock les amis Alors en fait, euh, bon, on sait déjà la, la gestion des stocks, c'est euh, quelque chose sur lequel travaille beaucoup Apple. Créer le manque pour susciter l'envie. C'est un grand classique, mais il y a quand même deux choses qui euh, semblent réellement peser sur l'offre. La première, c'est le succès. Euh, Apple ne communique plus depuis un moment sur ses chiffres de vente, mais dans un communiqué de la semaine dernière, Apple a fait état d'un nombre de précommandes qui serait hors norme. Euh, en revanche, des analystes qui sont plutôt euh, sérieux semblent nous dire que euh, cet iPhone 10 serait un très très gros succès commercial. Certains avancent le chiffre de 50 millions de précommandes à travers le monde, wow. ce qui serait en effet très important. D'ailleurs, l'action euh, Apple euh, ne s'est jamais bien aussi euh, ne s'est jamais aussi bien portée euh, en un an. Mm -hmm. euh, la bourse ne, ne se trompe jamais. Deuxième euh, élément, et là c'est un peu plus problématique, des difficultés d'approvisionnement de composants qui entrent dans euh, la technologie. Euh, True Depth. True, depth. Euh, true c'est euh, ce, euh, ce qui entre en fait, dans euh, le Face ID, notamment oui, face ID, dans oui. la 3D, dans euh, euh, la réalité augmentée ou certains usages en photo. Donc ça, en fait, ça crée un retard dans la chaîne de fabrication. Aujourd'hui, il euh, y a en fait une attente de 5 à 6 semaines. C'est plus long pour les modèles précédents. Euh, donc euh, voilà, il y a vraiment des problèmes d'approvisionnement. Bon, alors comment on va faire euh, Si on est vraiment très motivé, euh, on fait quoi eh bien, il y en a qui ont trouvé évidemment euh, des euh, moyens pour profiter de ce manque. Euh, des petits malins se sont amusés à précommander euh, dans un but uniquement spéculatif, mmh, c'est-à-dire. Et, voilà. et donc on se retrouve aujourd'hui. Alors on ne va pas leur faire trop de pub, hein, parce que c'est mal, mais il y en a qui ont fait euh, des précommandes dans le but de revendre dès demain leur euh, iPhone X. On trouve des annonces sur le bon coin jusqu'à 2500 euros. Ah, ils vont les payer beaucoup plus cher. Hein. Beaucoup plus cher. Sur eBay, on a trouvé une annonce qui va jusqu'à 25 000 dollars. Euh, voilà, 22 quoi. fois le prix de l'iPhone. Donc un seul conseil, attention aux arnaques. Ouais, bon. ouais. Faites attention à ça, c'est clair. Après, il y a un autre moyen, peut-être en passant par votre opérateur télécom, parce ouais. qu'il faut savoir que Orange qu'Orange, SFR, Bouygues, dans certaines boutiques, pourront peut-être avoir quelques exemplaires mmh. de ce téléphone. Puis on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils vont arriver. Hein. Donc ils vont arriver au compte goutte ouais. dans les jours qui viennent. Certains quoi. ont peur, même peut-être assez Noël. vite. Mmh. Ah oui, après, il y aura une question de quantité disponible. Exactement. Après, oh, voilà, on parlait des opérateurs, on parlait des Apple Store. Après, il y a tous les magasins traditionnels, les Fnac, Darty, etc., mmh. les boulangers, où vous pouvez tenter votre chance. Hein. Peut-être qu'il y en a de disponible, même si c'est pas gagné. Voilà, Merci beaucoup Noémie. Merci, vous. Merci Noémie. Le Safari est ouvert. C'est ça, la oui, course. La course un peu ça, à iPhone le Safari aux iPhones est ouvert. ouvert. Noémie Lefebvre-Marek donc pour ce Zoom Actu et dans un instant, quasiment tout de suite, c'est le Zoom Actu. Euh, non, non mais non, on en sort. Oui, oui c'est vrai. C'est le labo. Et bien sûr, je vous rappelle toujours cette question zéro net, orange, on débat sur le prix de l'iPhone, ce prix stratosphérique, plus de 1300 euros. Est-ce que vous êtes prêt à investir autant dans un smartphone N'hésitez pas. Euh, notre question zéro net, orange, voilà, on est toujours… Euh, 53%, ah, de est 53 hors de question. 53% hors de question. 30%, 30 oui. qui, vont, qui vont se jeter dessus, malgré le prix. Cela ça dit, ça fait, ça fait du monde hein, quand bah même. Oui, là, ça fait hein, un, un surcroît. Hein. Hmm. Continuez question net Orange qui vous attend sur ZeronetTV.com Et on va parler maintenant de PC et de PC. C'est ça Et on de va parler console de... aussi, je crois. Alors, de PC, de PC et de console, oui. Ça, c'est sûr. Avec nos spécialistes, Adrien Branco. Salut Adrien. Bonsoir. Salut Adrien. Et Emric Siméon. Et voilà, bonsoir. Salut Emric. Bonsoir. J'attendais que tu le présentes. Ben ou ça, oui, mais, mais je sais pas trop, là. <laughs> J'ai euh... Alors, Emric a un Gigabyte, qui est juste là. C'est un PC gaming. On va voir un petit peu ce qu'il en pense dans un instant. On vous montrera si vous êtes gentil, les amis, la nouvelle Xbox One X qui est attendue pour le 7 novembre. C'est un peu comme l'iPhone 10, on l'a en avant-première. On l'a en avant. Oui, on l'a en avant-première. On oui. peut dire ça. On peut dire ça. Voilà. Dire ah, il ça. a commencé à bidouiller mais Simon. Il a démonté. Il a regardé un peu ce qu'il a dedans. Enfin bref, comme d'habitude avec lui. Hein. Il a fait des câlins. Hein. Il a fait. Ah ben. On a passé ça commence par ça, ça, ça. La solidarité par d'Emery, de, au grand dame de sa fiancée d'ailleurs, de sa femme même. Femme Je même, pense ouais. qu'elle est un peu jalouse, mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans ces bon, détails. Revenons aux choses importantes. Adrien, un Xiaomi, juste là à côté de toi. Xiaomi. <laughs> pas facile à dire. Hein. Comment, Comment on peut dire Xiaomi. 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 Alors on connaît Xiaomi pour les trottinettes. Trottinettes, les smartphones. Oui. Même il y avait des batteries, je pense, d'appoint. Euh, ils ont plein de choses. Ils ont un portfolio énorme, hein, c'est oui. un gros industriel chinois. Et, et là, ils ont sorti un PC. Oui et non. On en parlera Oui et non. Oui. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Euh, on commence par oui ou par non. On va, par, on va commencer par oui car c'est une réalité physique. Je l'ai devant, vous le voyez. Alors peut-être que... Euh, la, la, la technique va bien nous faire des détails, donc ça ressemble vraiment à un... Il n'y a, a pas une oh, on dirait rien, un mock up rien. on dirait un truc... Euh... Et alors, du coup, ce qui est assez génial, c'est que, que je vois qu'ici, il y a un ordinateur d'une certaine marque américaine spécialisé dans les fraises et légumes. Dans qui est les frais et légumes. Oui. Si vous regardez, le design <laughs> est assez similaire dans le sens où c'est une copie. D'accord, c'est une copie d'Apple, Xiaomi euh, a décidé de ne pas s'ennuyer en allant on va pas aller chercher des détails, non. on va bah pas... Non, non bah... autant faire ce qui marche, qui se ce qu à la classe, c'est pareil. Sauf que le prix est un petit peu impressionnant. D'accord. Alors pourquoi oui et non Ce PC existe, il existe en Chine. Il est vendu sur le territoire européen par Gearbest, ça ouais. veut dire un port Chine. La garantie, ben, garantie d'un magasin en ligne. Gearbest, est ce, ce, cela dit, assez oui, font, réputé font, hein, est pour est les sérieux. retours et tout. Ouais. C'est Gearbest qui nous a prêté d'ailleurs. Euh, à notre demande, parce que cet appareil commence à avoir un nombre de notations incroyables sur les forums et que, donc non, il n'existe pas, il n'est pas distribué en France. Vous le savez, mmh. les smartphones Xiaomi sont arrivés en lousdé par des mmh. importateurs. Mmh. De la même manière, Xiaomi est en train de répéter le même succès en important. Cet ordinateur Ça qui coûte. Oui, oui, voilà. Donc on est, on est au même niveau de design. La finition, on n'est pas encore au ouais, niveau. Alors c'est vrai, l'épaisseur globale est la même, mais je trouve, euh, sur l'original, l'écran est plus fin quand même. Hein. Sur l'original ouais, l'écran est plus ouais. fin parce que, parce que toi tu n'as pas de prise USB pour brancher des clés USB classiques. Oui, qu à qu une une USB à penser parce que sur ce terminal-là, moi j'ai une prise HDMI, un Core M3, 256 de SSD, une dalle Full HD qui s'est avérée super belle. Super belle, 8 heures d'autonomie. D'accord Un son AKG qui en fait nous a vraiment surpris tellement il est bon. Mm -hmm. Et avec les promos Garbet, ça coûte 470 euros. Oh Alors je me suis dit. Mais avec, <laughs> avec Windows à l'intérieur Avec Windows 10, ils sont 10 pas mis macOS quand même. Et non. <laughs> Et c'est ça en fait. Bah Pourquoi oui. le faire venir Il y a des, des zones d'ombre. Le test n'est pas terminé. Il y a des zones d'ombre. C'est comment fait-on pour passer un Windows 10 chinois, licence chinoise officielle hein. Le transformant en français, il y a des astuces, mmh. c'est dans la légalité, mais Microsoft détecte et tout ça. Bon, le clavier est un quartier, bien évidemment. Euh, la garantie, c'est une garantie de revendeur et pas une, une garantie de marque. Donc ça, ce sont les écueils. Par, par contre, <laughs> le prix est formidable. J'ai l'impression qu'on nage en avec avec ce qui ah est alors, bien fini. Oui et non, mais rappelez-vous, Xiaomi, c'était d'abord les Redmi Note et tout ça, des mmh. smartphones de super qualité qui ont... Conquis le marché européen euh, sans passer par un distributeur au début, en, en faisant, il, les Européens lui ont fait confiance en important des terminaux qui se sont avérés d'excellente qualité. Et bien, ils sont en train de faire la même chose avec l'informatique en proposant des designs. Emric qui teste en permanence des, des ordinateurs portables, l'a trouvé lui-même super beau, mmh. super bien fini à un prix absolument béton. Quoi. Donc, euh, ah, il est, est actuellement. Moins de 500 euros, euh... Alors, ah, les tests sont finis. C'est le prix d'un PC portable entrée de gamme euh, qui ne ouais, euh, ouais. va pas avancer très, très vite hein, quand même. Hein. Et qui sera beaucoup moins joli moins joli, bien moins, moins joli, fini. bien moins fini, et puis la qualité d'écran est belle, le mmh. son est beau. Enfin, je maintiens une... que je trouve qu'il ressemble pas tant que ça à, à un Mac. Hein. D'accord. Euh, <laughs> ouais. bon, enfin, quand tu regardes sur les côtés, quand même, les ouais. finis. Enfin, sur sur, le, sur les côtés, c'est quand même euh, ça ressemble un peu. C'est assez, assez, assez impressionnant. La, la couleur pas la même. La qualité assez... de finition est, est incroyable pour le niveau ouais. de prix, et je pense que c'est la stratégie de Xiaomi. On va laisser faire parler la qualité de la copie. On va d'abord ad admettre ouais, ouais. y a une copie. On fait les non, gens voir, vont après. constater ça, ouais. les gens vont commencer à acheter, et alors vous regardez sur Gearbest, c'est des commentaires en italien, en brésilien, en français, en russe, mmh. et tous les notations, c'est 4-5-4-5-4-5. Maintenant, il commence à y avoir. Pourquoi on ne l'a pas testé de tout premier Parce que 0 à net se concentre d'abord sur les gros constructeurs. On a vu arriver ça, on regarde ça en coin depuis ouais, ouais. Un, un an, un an c'est la deuxième génération, ouais, ouais. et alors les notes sur la première génération sont telles qu'on s'est dit. On va se mettre à votre place. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque de l'acheter sur eBay ou sur des sites en, ch en Chine Est-ce que le niveau de qualité est à... au niveau de nos attentes mmh. et, et le test est très prochainement. Parce ce que c'est vrai aussi quand on paye un PC pas cher, du coup on est moins exigeant. Attention ici, vous avez un service, bien sûr, avec ton Mac, tu as une, une garantie européenne, tu as une protection européenne, tu as un secteur européen. Non, mais je veux dire, ce qui peut expliquer SV. aussi les commentaires très élogieux, très positifs, c'est parce que bah, les gens se disent Ah, pour 500 euros, c'est génial. J'aurais tendance, et, et tendance à dire que non, parce qu'il y a suffisamment de marques chinoises désormais qui, sur le, le, le plan des smartphones, se battent depuis des années. La compétition a amené... Regardez Huawei. Regardez Xiaomi maintenant aussi. La compétition est tellement rude sur leur territoire qu'ils sont obligés de jouer la carte de la qualité désormais. C'est mmh. pour ça que les prix augmentent. Ils étaient encore moins chers, l'ancien mois. Du modèle. coup, l'écran n'est pas tactile. C'est un vrai. Non, mais combien d'autonomie Pour 470 euros, combien d'autonomie Pardon, quelle taille d'écran d'abord 8, 8 heures d'autonomie. Oui, 8 heures d'autonomie. Euh, c'est 12 Attention, attends, j'ai demandé à Lionel Moréan, notre oui, responsable notre technique. Je lui ai demandé, c'est bien, tes tests vidéo, est-ce que tu ne pourrais pas me décoder un, un, un film Full HD H265 Oui. 7h30 d'autonomie. C'est énorme. Ah ouais. Décompression matérielle par le ça processeur c'est voilà. Parfait ben, voilà, Donc euh, le, test bientôt. le test bientôt Avec, sur avec le regard critique bien sûr Sur euh, ouais. l'import et tout ça Mais je pense que c'était un, un produit que ben, beaucoup de lecteurs attendaient Voilà une petite pépite pour Geek On l'a bien compris parce qu'il faut faire quelques petites bidouilles Pour transformer Windows etc C'est un QWERTY Mais franchement peut-être que le jeu en vaut la chandelle On verra ça bientôt Merci Adrien on passe maintenant avec Aymeric à du PC, alors cette fois-ci, euh, j'allais dire francisé, alors Gigabyte n'est pas français, mais pas vraiment, on va hein. dire que là on a un clavier AZERTI, oui. on a une, un Windows 10 français, oui, hein. donc là on est en terrain conquis, on va dire. Hop. Pour une machine qui doit coûter un petit peu plus cher à mon avis que oh, Xiaomi, bah. euh, qui bah, est juste là. Chose. Vers Thomas ou vers Noemi euh, Vers Thomas, je pense. allez euh, voilà. hop, on est parti. On voilà. est parti. Euh, alors déjà, le, balance le prix comme ça au moins c'est réglé. Ah bah, un peu plus que celui-là là. là. Un, un petit peu plus ouais un brin un brin euh, ouais 2600 euros à peu près oh ah oui, c'est pas un brin c'est un brin ah oui non bah oui mais enfin en même temps euh, faut ce qu'il faut hein. on a ce qu'on a pour ce prix là non, mais là, là on a une machine de gaming alors on a une machine de gaming et, euh, et en fait euh, elle en a absolument pas euh, on va dire la robe euh, elle est plutôt sobre pour une machine de gaming ça oui, conviendrait hein, euh, machin qui qui... un peu comme en mode oui 2000, bon hein, ok même. clavier mis à part on n'a pas euh, oui, oui, les, oui, oui. les bandes de led qu'on a habituellement on n'a pas du rouge vio oui, enfin ou d'autres, hein, Asus, etc. Enfin, effectivement, là-dessus là on, on a un design qui est plutôt sobre. Euh, on a surtout une machine donc, qui est donc un PC 15 pouces et euh, qui a la particularité d'être à la fois gaming et puis à la fois euh, un, un bel outil aussi pour ceux qui aiment faire de l'image. Oui. Parce qu'en fait, euh, la qualité, une des qualités de ce PC, c'est que euh, son écran donc Full HD mat est calibré après sortie d'usine, pour être euh, compatible avec la norme Pantone X-Rite. Ce qui veut dire qu'on va avoir un rendu des couleurs qui est vraiment fidèle à ce qu'on mm -hmm. pourrait euh, attendre lorsqu'on travaille, par exemple, des photos, etc., avec des logiciels type After Effects, etc., et qu'on se met effectivement dans euh, la, bande, euh, la bonne euh, norme de couleurs. D'accord. Voilà, donc on va ouais, un outil graphiste. Un bah, outil un... Pour, euh... Voilà, c'est un outil aussi pour euh, aussi ceux qui pour aiment retoucher le... la photo, faire la graphiste. C'est-à-dire que quand on va imprimer on une, photo va une photo euh, avec une certaine teinte, avec certaines couleurs dessus, des dominances, etc., bon, en, normalement, une fois qu'on l'aura retouché sur la dalle, une fois qu'on va la tirer sur papier, mmh. les écarts seront vraiment minimes. On ne va pas se retrouver avec un orange plutôt rouge, ouais. un jaune plutôt, etc. Bon, donc ça, c'est son, son premier atout. Son deuxième atout, c'est qu'il est relativement fin et léger, il ne pèse que 2 kg. Un. Ah oui. Pour une machine de gaming, voilà, c'est plutôt, plutôt pas mal. Et en fait, il répond à la norme, enfin au cahier des charges euh, Nvidia MaxQ, donc qui est en fait une norme que Nvidia a lancée au Computex cette année, qui vise à créer des, des PC portables de jeux plus fins. Que ceux euh, dont on a l'habitude d'avoir sans sont, compromis euh, sur la puissance alors sans compromis sur la puissance on va mettre un bémol en fait le max les pc portables max q intègrent des cartes graphiques qui sont dites max q design donc qui ne sont pas les exactes répliques des 1070 1060 1080 mmh. sont plus imposantes. qui sont euh, voilà on va dire dont la puce euh, mmh. fonctionne à une certaine vitesse là les, les fréquences sont légèrement rabaissées mais dans le cas de la 1070 donc qui intègre cette machine qui est intégrée dans cette machine là il y a moins de déperdition que par exemple sur une 1080 1080 qu'on avait vu dans, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le Zephyrus d'Asus que je vous avais amené il n'y a pas très longtemps aussi, qui était une machine plutôt très très jolie, très fine, etc. Qui est faite pour les joueurs. Mmh. Donc euh, un peu de compromis à faire sur la puissance, néanmoins puissance graphique. Néanmoins, après dans, dans le PC, on a un processeur, un core 7 euh, mmh. 7700, euh, voilà qu'on a dans toutes les machines euh, gaming euh, actuellement. On a 16 Go de RAM, du disque, euh, enfin un 512 Go de SSD. bon une machine tient la route. Quoi. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on perd un tout petit peu en fréquence sur la carte graphique que euh, dans les jeux, c'est la catastrophe absolue. Ça reste une 1070 et donc ça reste une bonne carte pour bien jouer en Full HD. Voilà. Donc ça, ça, c'est plutôt, plutôt bien. Seul reproche qu'on va pouvoir lui faire, malheureusement, euh, il chauffe un peu en dessous. C'est-à-dire que jouer un peu sur les genoux, sur les on va déconseiller. Voilà, plutôt jouer sur le bureau. Et puis l'autre petit bémol, c'est que bon, qui dit fin dit beaucoup, et qui dit beaucoup de puissance dit généralement un peu de bruit sur la ventilation. Alors, il fait un peu de bruit à partir du moment où on n'active pas certaines technologies Nvidia, notamment le Whisper Mode, qui permet de pouvoir, euh, en abaissant un tout petit peu les performances de la machine, rien de très crucial. Mmh, hein, euh, faire de quand faire, même faire baisser, voilà, de faire baisser en fait la température des composants et donc la ventilation reste, on va dire, dans un niveau de bruit acceptable. On est aux alentours de 40-41 décibels, alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais 40-41 décibels, c'est le bruit dans un appartement, on va dire, normal, où il y aura ouais. une télé qui fonctionne. Voilà, on est à peu près. Euh, voilà. euh, enfin, sauf que là, du coup, c'est un bruit de ventilateur. Tout à fait, mais ouais. ce n'est pas un bruit strident comme on peut avoir sur certains, il y a un gros ronron. rond C'est vraiment euh, un bruit, bon, on ne va pas dire... Euh, agréable, mais ouais. en tout cas, on n'est pas à se mettre un casque sur les oreilles pour... Euh, l'autonomie, ça, ça a un sens de s'intéresser à l'autonomie sur une machine. Alors ça, ou... ça a un sens euh, oui et non euh, parce que c'est un 15 pouces et que c'est pas forcément fait pour être baladé. Euh, néanmoins euh, les quelques tests qu'on a fait, alors en jeu c'est pas la peine, hein, c'est 90 minutes même pas, hein, c'est même c'est une heure, une heure et demie en poussant ah ouais. bien. Euh, à partir du moment où on va regarder des vidéos etc là ça va commencer à monter un peu mmh. plus, on va être entre 3 et 4 heures suivant vraiment ce qu'on va vouloir faire et surtout euh, en réglant plus ou moins fort l'intensité du rétroéclairage mmh. de l'écran. Voilà très magnifique hein. alors, voilà l'écran je... est vraiment très très la beau spécialité c'est la photo et euh, il est très sympa celui-là mais quand il m'a montré l'écran j'ai fait waouh et c'est le type de weekend que j'aimerais avoir et il est relatif enfin ce que je disais hein, mais euh, je sais pas si Thomas peut nous montrer mais en fait il est quand même oui. assez fin vrai pour que un 15 pour une... pouces mais ouais. il a des prises lui voilà et puis il a des prises hein. c'est vrai que ça c'est on, on peut connecter jamais, hein. on peut connecter des choses ça de sert à quoi ces prises alors ancien archaïque c'est des objets du passé voilà c'est ça c'est des objets du passé ah si la dernière fois que j'en ai branché une comme ça c'était des lecteurs de disquettes ah, c'est ça. En fait. Non, une fois, voilà, j'ai utilisé ça, ça l'an dernier. Parfait. Gigabyte donc pour cette, euh, ce PC portable et on va terminer avec, on vous l'avait promis, l'autre grosse nouveauté de ce mois de novembre. Hein. Il y a l'iPhone 10, mais il y a aussi la console de Microsoft la nouvelle, la Xbox One X, qui n'a pas d'écran. Qui n'a pas d'écran, euh, mais qui euh, se branche sur quoi. votre télé. Alors, vers Thomas. Et c'est donc la nouvelle Xbox One X qui sort le 7 novembre ça. Euh, tu l'as depuis quelques jours, là aussi. Oui, hein, c'est ça, euh, cette console. Voilà. Bon, donc, ça va être sans doute l'un des best-sellers de cette fin d'année. Oui, y a des chances quand même. Alors parce que ça, c'est plutôt bien encore... vendu. Hein, on va dire ça comme ça. Les précommandes ont plutôt euh, plutôt bien marché pour euh, pour Microsoft. Donc, elle pas donné de chiffres, hein, contrairement à fin contrairement à apple qui crée pas sur tous les toits ils ont pas, pas crié sur tous les toits mmh. les chiffres mais néanmoins euh, on sait que ça a bien marché parce que il y avait une édition collector euh, dite projet de scorpio qui est partie euh, très très vite et il euh, y a eu plusieurs vagues là, et toujours les précommandes sont toujours en cours ça qu'on peut quand on à précommander sa console pour être sûr de l'avoir le 7 hein, donc euh, voilà donc, <laughs> euh, elle ci, par rapport à... alors oui elle est moins grosse hein. ouais, ah, oui, 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 oui. elle est moins grosse que la première hein. elle est plus dans euh, plus elle dans, dans le de gabarit grave. de la xbox one s qui était sortie l'année dernière qui était une version légèrement plus puissante sur le plan graphique mmh. que la xbox one originale et blanche. Et blanche d'ailleurs, voilà, on avait euh, Microsoft avait abandonné le noir pour le blanc, puis hop, voilà, enfin pour le blanc et noir d'ailleurs en fait, hein. Et là, on est revenu sur du tout noir. Donc euh, voilà, elle est très sobre. Euh, elle est euh, effectivement un peu moins haute que la Xbox One euh, S. Elle et... est moins grande mm -hmm. que la PS4 Pro. Euh, voilà. Il a donc... ce transfo énorme. Voilà, il est, intégré euh, il a intégré. Ah, voilà. bien, ils ont trouvé, ils bien bien comme euh, sur la les... Xbox One S. Hein, ils euh... avaient une enclume. que, ouais, que ça, un Là, t'exagères un peu, mais enfin, prise... c'est vrai que c'était mon truc. C'est historique cool sur les. Ah, hein, énorme Il est intégré, comme sur la Xbox One S, hein, il est intégré. Alors, elle est Alors un peu lourd, voilà, ça pèse ça, un petit peu parce qu'à l'intérieur, il faut quand même refroidir la mécanique, ouais. hein, puisqu'en fait, c'est une console que Microsoft vante comme étant capable de faire tourner beaucoup de jeux en 4K. D'accord. Voilà. Donc en 4K commercial. Hein, dans, donc tous 3. les jeux Xbox. Alors, on va commencer par le plus oui. important. Tous les jeux Xbox que, qui sont dans le commerce sont compatibles avec cette console. Tout à fait. Parce qu'on reste dans l'écosystème Xbox One. Voilà. voilà donc ça, c'est pas une pareil. rupture. Hein, non, vraiment. pas besoin de jeter tous ces voilà. jeux, de les racheter. C'est une Xbox sont... précédente. Enfin, ouais. c'est la même que la précédente, sauf qu'elle est plus puissante. Alors c'est la même. Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que euh, ça fonctionne avec le même OS, donc Xbox OS, qui est un AirSat de Windows hein, aujourd'hui, clairement. Et euh, effectivement, les jeux sont tous euh, compatibles. Après, optimisé ou non, ça, c'est une autre histoire. Mmh. Euh, Est-ce qu'on euh, va avoir euh, par exemple euh, des jeux euh, actuels euh, qui sont euh, par exemple pas forcément, euh, qui sont un petit peu vieux et ce qui vont tourner avec un surcroît de puissance Ce n'est pas dit. Euh, voilà, Il y a une liste très exhaustive aujourd'hui qui existe sur le site de Microsoft sur lequel euh, on va pouvoir trouver les jeux qui sont dits optimisés Xbox One X. Donc ça, ça ne veut pas dire que ça tourne en 4K, ça veut dire que ça va tourner à un certain niveau de performance. Mmh. Autre que celui de la Xbox de base, donc meilleur. Hein. Mmh. Il y a les jeux qui sont dits ultra 4K, hein, donc 4K, ultra HD, etc. Donc eux sont assurés de tourner en, en 4K. Après vous dire si oui ou non c'est de la 4K native aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Voilà, clairement. Euh, et et... Que... visuellement, il y a une. Excuse-moi. Oui. Visuellement, on voit la différence ou pas Alors... Parce que c'est une claque. Euh, Visuellement, -on, on... Euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, de novembre à 7h, je ne peux pas vous répondre. Il va falloir <laughs> attendre demain pour que ouais. je puisse vous répondre. Puisqu'aujourd'hui, je, je ne peux pas vous répondre. -à quand on t'a enlevé ah. la partie du cerveau. Voilà. Quand on te regrette demain. C'est ça. C'est ça. Hein. Voilà, C'est-à-dire que dans mon disque dur, on, on m'a partie dire, on écoutez, Je ne peux ah, pas tout dire. Il y a des embargos, Alors, comme on dit, on Voilà. Ça, pour demain. Ça, voilà. Il Alors faut ce Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est à peu près ce que, malheureusement, ce que tout le monde sait, c'est ce qu'il y a dedans. Euh, voilà, euh, dedans il <laughs> y a un processeur euh, AMD qui a été fait spécialement pour Microsoft qui conjugue à la fois euh, la partie calcul et la partie graphique. La partie graphique ah. est euh, celle qui est, euh, qui est, comment dire, est basée sur l'architecture des cartes Radeon de l'année dernière, qui s'appelle Polaris. Donc euh, malgré tout elle en a euh, voilà. sous le pied quand même. Ah oui, elle en a sous le pied, ça, euh, bah, mais ça, ça c'est la promesse de Microsoft, c'est de dire si, pour faire tourner mmh. normalement, si on se fie à ce que dit Microsoft, pour faire tourner des jeux en 4K, il faut quand même avoir des cartes graphiques puissante bien à l'intérieur, Est-ce est euh... que je peux brancher un casque de réalité virtuelle C'est une bonne question alors ah, aujourd'hui il euh, y a les nouveaux pas... casques de Microsoft. aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pas euh, de la part de Microsoft aujourd'hui, il n'y a pas de, comment dire, de, de compatibilité avouée entre la euh, ouais. la Xbox One X et la Mixed Reality. C'est une question logiciel hein. ça non Bah Pe Peut-être peut-être que pour faire euh, on va dire bonne mesure face à Sony aussi oui. auront euh, leur solution de. de Parce VR. Qu rappelons qu'il y a une tripotée de casques là, compatibles euh, ouais. Windows tout tout à fait. qui sort, Ils sont très en reality, hein. voilà. là, en mix réalité, voilà, en qui pour pourrait très bien se marier avec une Xbox. Ah, d'accord. Pourquoi pas <laughs> On pourquoi est dans l'écosystème Microsoft. Voilà. Mais pourquoi pas rien oui. officiel, Alors, rien Il faudrait juste qu'il y ait euh, Windows, un port HDMI, un port USB. Voilà. Ce Alors Windows, est, on l'a quasiment dedans. Voilà. Ça près un peu. Finalement, c'est ça. pour HDMI et port USB. Je pense que c'est jouable. Voilà. C'est jouable. Il y en a. On, la console. Euh, on, on, on disait qu'elle en avait sous le pied et Jérôme disait normal pour une console. Mais ce qui est d'intéressant, c'est son prix, c'est-à-dire que malgré tout, on a une super puissance mm -hmm. pour un prix qui est bien en dessous d'un PC, on va dire gaming euh, équivalent, non Oui, alors non, oui, oui. Combien, parce qu'elle elle coûte 500 euros. Voilà, euh, 500 euros. Voilà, alors, ce qui, est, ce qui est assez rigolo, euh, c'est que historiquement, euh, Microsoft s'est toujours positionné 100 euros plus cher. Euh, sur ces consoles, par exemple, on se souvient de la PS4 et de la Xbox One. Hein. La, la Xbox One était sortie 100 euros plus cher que la PS4 à l'époque. Alors, l'argument, oui, c'était Kinect. Bon, alors aujourd'hui, on va pas K se mentir. Kizombit, hein, euh, voilà, Kizombit, euh... Kinect, ils l'ont tué. Hein, ouais, y a ouais, pas... bon, bon, voilà, bon, celle-ci elle coûte 500 euros et on va rappeler le prix de la PS4 Pro 400 euros à la sortie. Voilà, mais. Celle-ci ambitionne quand même Elle est nettement plus puissante de venir voilà, clairement mordiller euh, les pieds de la PS4 Pro et euh, surtout de la battre à plat de couture. C'est okay. vraiment euh, ce, que, ce que Microsoft cherche à faire parce qu'il euh, faut le reconnaître, euh, antérieurement, la PS4 était quand même beaucoup plus puissante que la mmh, Xbox mmh, One. Mmh, mmh, euh, et donc, euh, ça, je pense que Microsoft a eu un petit peu de mal à le digérer. Et euh, donc, ils ont planché sur ce, sur ce projet Scorpio qui maintenant s'appelle Xbox One X. Voilà et qui Très sort bien. le 7 novembre. 7 novembre. 7 novembre, vous aurez le test complet. On peut vous dire que Emric déjà N a normalement mis... si tout va bien 24 48 heures voilà. euh, on peut espérer que le test soit sur 01 net. Je peux vous dire voilà. que dans le labo 0 net euh, Emric euh, a branché toutes les consoles existantes est en train est de ça. faire des tests, c'est terrible. Sur des télé de des télés Pro, courbe, Samsung ah oui, euh, la mort Brina, qui tue, euh, ouais, voilà, c'est ça. Impressionnant, c'est encore mieux qu'à la paris Week, pour vous dire hein. <laughs> voilà. Et donc à bientôt pour le test donc sur 0net.com. Merci Emric. je vous en prie, quand vous voulez. Merci Emric. Euh, juste avant de se quitter un petit oui. tour du côté de la question 0net Orange, les amis, à propos de l'iPhone 10, êtes-vous prêt à mettre 1329 euros pour l'iPhone 10 Eh bien on est toujours à... Euh, hors de question, hors 53%. de question, 53%. Hein voilà, 30%, oui, rien ne m'arrêtera. Et enfin, 17% pour la proposition numéro 3, j'attends de voir. Euh, S'il est si bien que ça, bon, bah écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter euh, sur zéronet Eh bien voilà, Jérôme, on a un petit quart d'heure de retard, ça va, ouais, hein comme d'hab, c'est dans la logique. C'est le quart d'heure hein, voilà, offert, le quart d'heure bonus de cette émission. Mais faut il faut dire fait. que c'est une émission assez riche avec, je vous le dis, si vous venez de nous rejoindre là, euh, en live, refaites-vous le replay. Reprenez au début. Vous avez l'iPhone 10 quand même, hein, au tout début, où on vous le montre, il est ici, là à la place d'Emeric. Hein. <laughs> Merci à Noémie Lefebvre-Marec qui a préparé cette émission. Merci à Pierre Thiolin et Thomas Remilloret qui Exactement. ont assuré la technique. Et on se retrouve jeudi prochain, comme d'habitude. D'ici là, très bonne soirée sur ZeroNet TV. Merci de nous suivre. A bientôt. Salut à tous.